24. C'est toujours un gage de qualité. Il sortira le 22 août prochain. Et autre premier roman pour Justin Morin, cette fois-ci, qui aurait pu être un documentaire, mais c'est un journaliste, en fait, Justin Morin, qui a couvert le procès en 2017. Souvenez-vous de cet homme qui a foncé sur la terrasse d'un restaurant et qui a tué cette petite Angela, 13 ans, et qui a blessé aussi grièvement des dizaines de personnes. Et ben, Justin Morin a couvert ce procès. Il a rencontré la famille de l'adolescente qui a été tuée. Il a aussi rencontré la sœur du coupable. Et ben, il en a tiré un livre, moitié documentaire, moitié fiction, qui en fait invente le personnage de Lisa, la sœur du responsable de l'accident, qui elle n'a pas voulu être citée dans le livre, et qui explore d'autres facettes de cette histoire complexe et lourde. Le livre s'appelle « On n'est plus des gens normaux » à la manufacture des livres, et lui aussi sort le 22 août. Voilà, donc plein de choix pour vous, pour cette rentrée. Une super maison d'édition, la manufacture de livres. Je me permets d'ajouter un choix, le mien, parce que j'ai lu des bouquins quand même pendant mes vacances. C'est sorti hier, le dernier Arturo Pérez Reverté. C'est chez Gallimard, dans la Blanche, et ça s'appelle L'Italien. Et c'est absolument magnifique. Pérez Reverté, c'est formidable. Oui, une petite question, Sandra. Savez-vous, parce qu'il faut